Bonjour et bienvenue dans le briefing. Aujourd'hui, nous sommes avec le lieutenant-général Heinz en Pologne. Bonjour, général. Bonjour. Bon, ça fait 3 ans que vous avez pris le commandement de l'armée canadienne. Lorsque vous revenez 3 ans en arrière, on se souvient de cette cérémonie sur la colline du Parlement, beau soleil. Qu'est-ce qui revient de ce moment-là, 3 ans plus tard? Est-ce que vous étiez de toute façon insouciant, on va dire, de tous les défis qui vous attendaient? Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on est insouciant. Je vous espérais que personne n'est insouciant lorsqu'il prend le commandement, mais on est peut-être un peu naïf. Je pourrais m'exprimer ainsi. Là, je regarde 3 ans plus tard où nous en sommes et nous étions avant. Je ne dis pas nécessairement que l'armée est en excellente posture et beaucoup meilleure posture qu'elle l'était avant. Mais certainement que beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué sur le côté de l'alignement stratégique où nous voulons aller et comment que l'armée dans l'intérieur, dans le contexte des forces canadiennes, continue à évoluer. Choses ont évolué au niveau de l'entraînement que je pourrais discuter un peu plus tard. Certainement au niveau de la rétention et le recrutement, les choses aussi ont évolué et vont continuer à évoluer pour le mieux, je l'espère. Qu'est-ce que vous avez dit votre prédécesseur lorsque vous avez pris le commandement? Quel conseil vous avez donné pour ces 3 ans à venir? De ne jamais rien prendre pour acquis. Et je crois que c'est probablement un des meilleurs conseils que j'ai reçus. On se fait toujours des idées, comment les choses vont. On a des perceptions en discutant avec certaines personnes. Mais jusqu'à ce qu'on le voit nous-mêmes, qu'on le constate nous-mêmes, comment est l'état des choses, on peut être déçu si on prend des choses pour acquis. Alors, si on croit de part la performance de nos militaires en opération, que tout tourne bien, que les gens maîtrisent bien tout à fait la fondation au niveau de l'entraînement, c'est peut-être pas la réalité dans certains cas. Ce que j'ai pu constater, bien que nos soldats ont toujours été prêts, ils vont toujours être prêts à faire face à la mission ponctuelle qu'on va leur donner. Alors, au cours de ces 3 années, l'armée a fait face à beaucoup de défis, beaucoup d'opérations auxquelles elle a pris part. On a clôturé la mission en Afghanistan en mars 2014. Puis on a commencé toute une nouvelle série d'opérations, dont Réassurance en Pologne, enfin, en Europe centrale, en Europe de l'Est, Unifier tout récemment. Est-ce que l'armée est prête maintenant à faire face à toute cette variété de missions, à effectuer tout le spectrum finalement des opérations? Tout à fait. Et je dois vous dire que l'armée a probablement toujours été prête à faire ceci, mais est-ce qu'elle est mieux prête à le faire? Oui, compte tenu de la conjoncture dans laquelle moi j'étais. Dans la conjoncture, dans les derniers 3 ans, ça n'a pas été une conjoncture qui a été qualifiée d'un tempo opérationnel aussi élevé qu'on l'avait en Afghanistan. Alors, ça a permis à l'équipe entière de l'armée de retourner à la base. Et de retourner à la base, pas de la façon dont on le faisait il y a 20 ans, mais de retourner à la base de l'expertise que nos soldats doivent avoir et doivent mesurer, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, et de devenir un peu meilleur en appliquant, bien entendu, toutes les bonnes leçons que nous avons apprises de l'Afghanistan. Alors, ce que j'aime dire, c'est qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour moi comme commandant d'armée. C'est que je dois m'assurer qu'on maintient une armée professionnelle, et de 1, et de 2, que nous avons une armée qui est capable et qui est apte au combat. Et les 2 amènent à différentes déductions, à différents points au niveau de l'entraînement et des structures. Le premier, une armée professionnelle, c'est surtout donner un focus, pardon, ou une priorité à l'entraînement de base. Et pour moi, un militaire qui est dans la force régulière, l'entraînement de base va au-delà de l'entraînement individuel. Il doit être capable de maîtriser d'une façon annuelle l'entraînement collectif jusqu'au niveau, ce que nous appelons dans notre jargon, des équipes de combat. Ça, c'est une des choses. Ils doivent le faire de façon annuelle. Et pour amener une armée qui est apte au combat, bien, il faut se rendre un peu plus haut. Et nous croyons que la structure de brigade est la structure dans laquelle nous devons avoir beaucoup d'entraînement, parce que non seulement les équipes
se joignent, les unités y sont formées et l'intégration de toutes les capacités se fait, tant au point de vue commandement et contrôle ou au point de vue physique. Et nous pouvons aussi intégrer les gens comme les agences non gouvernementales ou les autres agences du gouvernement. Et il faut s'entraîner à ce niveau-là pour être vraiment être capable de faire des opérations. Et c'est ce que je décris pour être apte au combat. On n'est pas obligé d'avoir l'armée, toute l'armée être à ce niveau-là en tout temps. Alors, on assume un certain risque, on gère des priorités, et en ce moment, on maintient un tempo de, que nous avons le tiers des forces qui est à ce niveau-là, et c'est acceptable en autant que le reste des forces soit au niveau de l'expertise professionnelle. Alors, évidemment, dans les milliers de soldats de l'armée canadienne, il y a la régulière et il y a la réserve, la première réserve. On est en train de prendre les leçons justement notamment de l'Afghanistan où on avait intégré jusqu'à 20% de réservistes. On continue avec des opérations comme ici en Pologne, on a en ce moment une douzaine de pourcents de réservistes. Comment mixer l'entraînement de la régulière qui fait régulièrement des montées en puissance pendant quasiment toute une année et l'entraînement de la réserve qui souvent ne sont pas forcément disponibles en tout temps, qui s'entraînent les mardis soirs, s'entraînent quelques week-ends avec les GPE, groupe principal d'entraînement. Comment on arrive à avoir le même standard pour les deux? Alors, il faut comprendre qu'on a fait des choses tout à fait formidables, et en Afghanistan et en Bosnie avec les réservistes, et c'est un modèle qu'on se doit de poursuivre pour le futur. Il faut aussi comprendre au même moment que les réservistes le font à temps partiel. Ce n'est pas une armée de temps plein, c'est une équipe, hein? Une équipe, une armée, mais on a une composante qui est à temps partiel. Il ne faut jamais perdre ceci de vue. La façon que je vois ceci et les directions que j'ai données à l'égard des réservistes, c'est qu'ils doivent eux aussi atteindre ce niveau de professionnalisme-là, au même standard que leurs collègues de la régulière, mais pas nécessairement avec la même portée. Il va y avoir certaines gaps que nous devons être capables d'accepter de façon journalière, de façon annuelle, gaps qui doivent être bien connus et qui doivent être fermés si nous décidons d'employer les réservistes en théâtre opérationnel. Alors, on s'entraîne au même standard, mais pas nécessairement à la même portée. Et pour un réserviste, maintenir le niveau professionnel, ce n'est pas le niveau des équipes de combat, c'est un niveau un peu plus bas, qui est le niveau, jusqu'au niveau de peloton ou de troupe. Je suis convaincu que s'ils arrivent à maintenir cette expertise-là de façon annuelle, on va être capable de les intégrer avec leurs collègues de régulière, avec un entraînement d'un peu pour fermer la gap dont je parlais initialement, qui va les amener au même niveau que leurs collègues de la régulière, comme nous l'avons fait dans le passé. Alors, le principe que nous avons appliqué en Bosnie et en Afghanistan et dans l'entre-deux périodes demeure et va demeurer. Ce que nous devons améliorer toutefois, je crois qu'il y a certaines capacités que les réservistes peuvent nous donner encore plus. Alors, nous devons identifier certaines de ces capacités-là, alors leur donner peut-être des missions et des tâches un peu plus spécifiques dans certains domaines. Et dans ce contexte-là, de bouger avec les affiliations qu'ils ont entre les régiments et les unités à une intégration. Et c'est ce que la directive de renforcer la première réserve du chef d'état-major nous guide et nous donne. Et moi, ma directive à cet égard-là doit être de faire davantage d'intégration versus d'affiliation. Un n'empêche pas l'autre, mais il faut avoir une meilleure intégration. Mais avant d'avoir une meilleure intégration, il faut connaître quelle sorte de tâches qu'on peut donner à nos réservistes. Et c'est aussi utiliser les compétences des réservistes qui ont du coup, pour la plupart, un emploi dans le civil, qui certains, justement, je pense à la 34e compagnie AI, donc pour tout ce qui est PSYOPS, certains, justement, ont des compétences dans le civil liées à ça. Donc, on utilise ces compétences civiles pour l'armée. Absolument. Il y a certaines capacités que les réservistes, c'est beaucoup plus instinctif de par leurs compétences. Vous avez mentionné les activités d'influence, alors ça en est une, à cause de la proximité des réservistes avec les communautés, à cause de leur rôle, de leur tâche civile, bien entendu. Il y a peut-être aussi certaines possibilités au niveau de cybernétique, parce qu'il y a des gens qui œuvrent dans le domaine, alors nous allons regarder ceci. Il y a peut-être aussi des possibilités
au niveau la guerre ou les capacités NBC nucléaires, biologiques, et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi certaines capacités que certains de nous voulons. Alors, tout est possible. Il s'agit de faire une analyse un peu plus approfondie, ce que nous faisons présentement, et nous allons avoir un plan qui va nous amener à renforcer la première réserve, qui est basée sur 3 ans. Ça peut paraître long, mais il faut comprendre que 123 unités, dans plus de 160 locations, alors il faut s'assurer que nous donnons des tâches ou des missions qui sont aussi réalistes et qui peuvent être faites un peu partout au Canada. Le recrutement, le chef d'état-major a chargé la chef du personnel militaire d'augmenter le nombre de femmes dans les forces armées canadiennes, de le passer à 25% donc d'ici 10 ans, d'ici une décennie. Dans le cas de l'armée, évidemment, il y a une bonne part, c'est les armes de combat. Très peu de femmes dans les armes de combat. Comment pousser pour justement ouvrir ces métiers-là aux femmes? Écoutez, il faut le socialiser davantage. Il faut socialiser. Alors, comme nous le savons, il n'y a aucune restriction pour les dames dans les armes de combat. Ça fait déjà plusieurs années. Le Canada a été très avant-gardiste de ce côté-là et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas lieu d'avoir de restrictions. Est-ce que les dames ou les femmes entrent autant vite ou avec l'amplitude que nous aimerions avoir? Non. Alors, nous avons reçu une tâche très spécifique du chef d'état-major de la Défense. Ça doit être fait, oui, sous le contrôle du commandant du personnel militaire, mais l'armée, nous devons aider à cet effort-là. Alors, nous devons améliorer le recrutement avec la socialisation des femmes, démontrer qu'est-ce que c'est à cette partie de la population-là. Mais le même défi s'applique aussi pour recruter les réservistes, recruter un certain nombre de francophones et ainsi de suite. Alors, il faut redonner d'énergie au recrutement. Je pense que ce sera à peu près toutes les horizons, et non seulement du côté des femmes. Parce qu'on se souvient que, notamment, par exemple, en Afghanistan, justement, bon, il y avait très peu de femmes, mais le peu qu'il y avait avait une très grande influence, notamment sur les militaires afghanes qui du coup, intégraient l'armée. Et il y avait un excellent contact, forcément, entre femmes, vu que ben, ça passe mieux, Oui, forcément, absolument. là-bas, Et puis, justement. il faut comprendre aussi que on parle des armes de combat. Il faut pas regarder ça de façon trop puriste non plus. Vous savez, c'est pas à savoir combien il y a de femmes dans l'infanterie, dans les blindés, dans l'artillerie, mais combien il y a de femmes dans l'équipe des armes de combat. Et les bataillons de service font partie. Ce ne sont pas des armes de combat dans le vrai sens du terme, mais ils sont au combat au même titre que leurs collègues de l'infanterie. Ils amènent le support. Et c'est un domaine où ce que les femmes sont beaucoup plus attirées, de par la nature des choses dont elles font. Alors, c'est aussi important d'avoir des femmes. Et si ils ne font que se concentrer dans ces domaines-là, ils se retrouvent en théâtre d'opération. Ils font des choses qui sont importantes pour s'assurer que les opérations soient bien soutenues. Alors, on accomplit le succès aussi. Rapidement, au niveau donc tout ce qui est achat militaire, on a eu au cours des 3 dernières années pas mal de nouveautés et de lancement de projets. On a l'équipement du soldat intégré qui va arriver à un moment donné. La fonctionnalité de dessin permet d'ajouter des annotations rapides sur la carte. Pour montrer ceci, le commandant de section va dessiner la base de feu ainsi que la ligne de départ. Ces dessins seront envoyés à tous les membres de la section afin qu'ils puissent visualiser le plan. On a même une nouvelle botte, on a encore les tapes V qui vont arriver à Valcartier, je pense, cet automne. Est-ce qu'il y a encore certains équipements que vous aimeriez dire, ce serait bien qu'on le change, ça? Il n'y a aucun doute. Écoutez, on a au-dessus de 180 projets. Les projets qui sont un peu plus sur mon radar, vous avez nommé, bien entendu, le véhicule, le VBL-6, qui est aussi un projet qui est en cours présentement, dont on change, on va avoir la nouvelle version des VBL qui est en intégration présentement et qui va être vue en opération, peu importe lorsqu'on ira en opération.
On a parlé du véhicule de patrouille tactique, dont nous avons eu un certain délai, mais un délai qui a démontré que le système fonctionne, parce qu'après avoir passé certains tests, et que nos soldats aussi, on a fait certaines observations, que le véhicule ne répondait pas tout à fait aux exigences qu'on avait demandées. Alors, nous avons retourné à la table de dessin. Un délai d'un an, mais maintenant, le véhicule va être déployé à partir de cet été. Si j'avais à nommer, je pourrais nommer encore plusieurs autres projets, l'intégration du soldat, pour l'intégration du soldat qui va arriver en 2016, beaucoup de projets au niveau des communications, parce qu'on veut appliquer vraiment le concept d'emploi de la force, qui est des opérations adaptives et dispersées. Il faut être capable d'avoir un bon système de communication qui est interopérable avec plusieurs de nos alliés, d'où le but de ce genre d'exercice-ci. Et je vous dirais, s'il y avait un projet qui me tient à cœur, qui doit aller de l'avant, c'est le projet de modernisation des véhicules logistiques. Nous avons un des projets pour les véhicules médiums qui est lancé, et le deuxième projet, qui est le projet de modernisation des véhicules logistiques, va toucher des véhicules qui sont plus lourds et plus légers. Et cette capacité-là n'est pas encore déficitaire, mais elle va être déficitaire d'ici les prochains 5 ans. Alors le projet doit être enclenché, le projet est lancé, le projet a été conçu. C'est une question de trouver maintenant des argents. Alors, c'est une des priorités qui est identifiée au niveau du département. Et je suis confiant qu'on trouvera les ressources nécessaires pour pouvoir lancer ce projet-là très bientôt. Pour conclure, l'OTAN, c'est votre prochaine mission. Comment vous abordez ces quelques années à Bruxelles? Avec beaucoup d'optimisme, dans le contexte que l'OTAN se redéfinit toujours. Avec la menace qui se redéfinit aussi et qui n'est pas un type de menace. L'OTAN se doit de se redéfinir, mais il n'y a aucun doute que la défense collective et la déterrence prend une nouvelle dimension. Alors, j'arrive à un moment donné où je vais être à l'OTAN, où nous allons devoir participer à beaucoup d'excellentes discussions, où le Canada a déjà mentionné, va continuer à faire sa contribution à l'OTAN. Puis je vais être certainement très fier de m'asseoir à la table et de représenter notre pays lors de ces discussions-là, bien entendu, avec l'ambassadrice, Mme Carrie Buck. Okay. 3 ans d'armée, si vous deviez les résumer, qu'est-ce que vous diriez? Tout à fait fantastique. Je crois qu'on a continué à avancer l'agenda. On n'a pas réinventé la roue, mais on a avancé l'agenda pour pouvoir mieux se positionner pour faire face aux défis du futur. Très fier de nos soldats. Les soldats sont professionnels, compétents, et ils vont continuer à être à la hauteur. Général, merci beaucoup. Quel plaisir. Bonne mission à Bruxelles. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette émission, et on se retrouve le mois prochain.